Amis de BFOI Vision, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous présenter le journal télévisé de cette semaine. Au menu de cette semaine, le mouvement de grève à la SASA, suivi de la journée culturelle au lycée Camille Desmoulins, puis avec nos aînés, nous visiterons le Familistère de Guise, suivi d'un copieux-repas. Plus religieux, la messe de profession de foi à l'abbatiale et le repas organisé par les membres de la paroisse. Nous assisterons à l'Assemblée générale du club de basket, puis nous rendrons un hommage à Pierre Servet. Et pour terminer, l'annonce de la fête Musica Cool, la rediffusion de nos archives d'il y a 20 ans, suivie de nos brèves locales. Le 23 mai dernier, un mouvement de grève débutait à la SASA. Les ouvriers liés à la production étaient mécontents du changement de système de rémunération. Pour eux, les primes sont revalorisées en leur défaveur. Les différentes réunions de négociation n'ont pas permis de mettre d'accord l'intersyndicale et la direction. Un durcissement du mouvement a débuté ce mercredi. Écoutons les représentants des syndicats nous en dire plus. Messieurs, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter pour les cartésiens? Je suis Bruno, délégué syndical CGT. Michael Marcy, délégué syndical CFDT. Jean-Marie Cardon, syndicat, délégué syndical FO. Et Lachemar, délégué CFDT. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Toujours pareil. Toujours le même point. Alors, rappelez-nous un petit peu vos revendications. C'est surtout pour la perte des primes d'usage, entre 300 et 400 euros, qui aujourd'hui est effective. Donc aujourd'hui, les ouvriers ont bien perdu 300 et 400 euros. Et la deuxième partie. Et 500 euros de primes de Noël, vacances. En tout et pour tout, dans 12 mois, on perd entre 5 000 à 10 000 euros par an. Chose qui est énorme. Et suite à ça, beaucoup d'anciens commencent à faire des courriers pour une rupture conventionnelle. On en a déjà 8 officiels. Et on entend même voir 20 personnes. Et quand on dit à la direction, vous savez que les anciens vont pouvoir partir. La réponse de la direction, ils nous répondent, ça fera du sang frais pour nous. Voilà leur réaction. Alors, votre réaction de... Ils veulent mettre en place quand même une prime qui serait performante avec tous les performances qui aujourd'hui n'est pas atteignable avec les chiffres actuels. Ouais. Les critères sont inatteignables. Ils ont fait une simulation de 200 euros à 40 euros, ça dépend les mois. On vient d'en perdre 400. 400 à 600. À la place, ils veulent mettre ça en place. Voilà. Donc c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, les débrayages, on a vu personne à la direction. Ça fait 3 semaines qu'on est en débrayage, toujours personne, ni le PDG, ni personne. Et aujourd'hui, manif, personne. Côté relations humaines, il n'y en a plus du tout, parce que même dans la dénonciation qu'ils font, ils le font aussi sur le temps de travail, avec des horaires modulables au jour le jour, et avec de la polyvalence au jour le jour. Sans prévenance. Donc sans prévenance, on n'aura plus de vie de famille, on n'aura plus rien. Donc ça devient vraiment de l'esclavage. Alors donc vous continuez tout ça alors? Voilà. Demain, dans pas de réunion. La dernière réunion. On sait pas. Donc ouais, monsieur, aujourd'hui c'est plus de semence et après on sait pas non. Voilà. Messieurs, merci. De rien, merci à vous. Il est temps. Nous ouvrons notre antenne à la direction pour un droit de réponse. Au lycée, la semaine dernière, c'était l'effervescence. En effet, une journée culturelle avait mobilisé les lycéens pour élaborer plusieurs projets artistiques qui étaient ensuite restitués à tous les élèves. Partons de suite pour le lycée Camille Desmoulins, profiter des expositions et du spectacle. Alors, il y a plusieurs projets artistiques qui se concrétisent. Ici, au CDI, nous avons le projet Histoire des arts et danse, c'est-à-dire que nous avons une exposition qui s'appelle La liberté entre en scène. Des élèves de première HDA ont cherché des œuvres qui les rapprochaient de la liberté et ils les ont présentées à des élèves de seconde en cycle danse. Et ces élèves de cycle danse ont représenté les œuvres, les ont mises en mouvement. Alors ici, les élèves ont donc exposé leurs œuvres et ont expliqué leur choix à chaque fois
pourquoi ils ont choisi évidemment la Statue de la Liberté, par exemple, ou des œuvres tout à fait évidentes, ou alors vraiment des choses très 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 originales, du street art, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très hétéroclite. Voilà, vous allez voir des œuvres très très différentes, et à chaque fois les élèves ont expliqué leur choix et pourquoi ils ont vraiment choisi ces œuvres. Voilà. Donc je m'appelle Chloé, je suis en première B et j'étudie ici au lycée Camille Desmoulins. Déjà, j'ai choisi ce tableau pour illustrer le thème parce que, déjà, premièrement, c'est un tableau majeur du monde, quoi. Puis, il faut savoir que les femmes ont toujours été, entre guillemets, discriminées, que ce soit dans le passé ou toujours dans le présent. Et là, on nous prouve bien le contraire, que Marianne, c'est elle qui gère le tout, qui dirige. En plus, elle est bien mise en valeur. Bon, malgré la fumée et tout, on distingue du coup l'auréole autour de son visage qui montre quand même, qui l'illumine, qui la met en valeur. Après, ce qui va bien aussi avec le sujet et la liberté qui entre en scène, les cadavres forment un peu la scène, on peut dire. Donc bonjour, moi je suis Luca, je suis un élève de la seconde 1. Et ce soir on a présenté un projet artistique qui consiste à représenter des œuvres proposées par les premières spécialités Histoire des Arts avec des œuvres. Et on a fait une chorégraphie devant tout le monde. Voilà, présente-toi. Moi c'est Sarah. Donc voilà, comme Luca vous a expliqué, hein, le projet. Moi, départ, j'étais un peu stressée, j'ai même un peu pleuré, mais au final, tout s'est bien passé et je suis super contente du projet. Alors moi, c'est Dorine, je suis de la seconde 1 aussi. Et, comme Sarah, moi, au début, j'avais peur, puis à la fin, c'était bien. J'ai eu très peur, je me suis mise à trembler en dansant et vers la fin c'est un peu mieux passé, j'étais un peu mieux. Alors moi j'ai stressé tout le long, puis j'ai pas regardé le public, du coup ça a été. Donc je m'appelle Mathieu Farcy, je suis photographe et j'ai accompagné le projet FIER pendant cette année au lycée du Cateau-Cambrésis.
C'est un projet sur la féminité qui a été fait avec des élèves de terminale, terminale histoire, littérature et philosophie. Et mon accompagnement, c'était surtout de les amener à se demander qu'est-ce qu'on peut raconter avec un appareil photo, comment on peut se mettre à raconter des histoires ou à se raconter avec un appareil photo. Donc je les ai vus toute l'année, à raison d'une fois par mois à peu près, avec sur la fin, on se voyait toutes les semaines quasiment, et on a produit une exposition et un livre. Et en fait, c'est un ensemble d'images qui questionnent qu'est-ce que c'est que la féminité quand on est au lycée, quand on est adolescent, ou quand on est adolescente, bien sûr. Et voilà. Ah, finalement, le résultat est magnifique. Je suis très fier du travail des élèves qui ont réussi à s'engager, à produire des images qui sont d'une qualité incroyable et qui sont très fortes émotionnellement. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Madame Tudeau, professeure de philosophie au lycée Camille Desmoulins. Et je suis accompagnée de Lilou et Océane, qui sont élèves en terminale Humanité, Littérature, Philosophie. Et donc, on vous présente aujourd'hui l'exposition Fière, qui est une exposition sur la pluralité des féminités, qui a été le fruit d'un travail d'un an de réflexion et de création photographique en compagnie du photographe Mathieu Farcy qui nous a accompagnés sur ce projet. Et l'idée, c'était de montrer à quel point les féminités étaient diverses, étaient plurielles et qu'il y a autant de femmes que d'individus. Donc voilà, les filles, vous voulez peut-être dire comment vous avez ressenti le projet ? Mais pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant, j'étais investie dans le projet. J'ai bien aimé prendre différentes photos, j'ai bien aimé m'investir dans le projet. Je trouve que c'est une cause qui est bien à défendre et voilà, ça m'a vraiment plu de participer à ce projet. Bah, je reprends un peu ce que Lilou elle a dit et en plus on était accompagnés de meilleurs profs et du meilleur photographe aussi. Donc c'est surtout à eux qu'il faut remercier pour tout ça, sinon ça n'aurait jamais sûrement existé. Du coup voilà. Je me permets juste d'ajouter pour terminer que l'exposition elle est visible jusqu'au 5 juillet au lycée Camille Desmoulins. Donc voilà, vous présentez à l'accueil et c'est tout à fait possible de venir la voir. Ah ben c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilités qui ont été exprimées par les uns et par les autres, tant par la danse en milieu d'après-midi que ce soir avec la photographie. Une grande journée culturelle au lycée, une grande implication des élèves pilotés par les enseignants, multiples et divers, aussi bien de l'EPS que de l'histoire géo, que de l'histoire des arts, que de la philosophie, des lettres modernes. Bref, tout le monde s'y est impliqué autour de Madame Laine, qui est notre professeur documentaliste, qui est référente culturelle du lycée et qui fait un travail exceptionnel tout au long de l'année scolaire. Donc vraiment un proviseur heureux. Le voyage des aînés proposé par la ville était une tradition qui a connu un arrêt de 2 années pour des raisons que vous connaissez. C'était avec une joie non dissimulée que les personnes de plus de 63 ans ont pu renouer avec cette tradition. Cette année, elles ont pu visiter le Familistère de Guise et manger un bon cochon à la broche à Coucy-le-Château. À noter que vous pouvez suivre ce voyage dans notre magazine et toute la semaine. Eh bien, aujourd'hui, donc, c'est la journée pour nos aînés. C'est la sortie traditionnelle que nous organisons tous les ans, à part ces 2 dernières années avec le Covid que nous n'avons pas pu organiser. Et cette année, eh bien, c'est fait. Donc, nous sommes allés ce matin au Familistère de Guise pour une visite commentée. Que Godin va découvrir les conditions de vie et de travail des ouvriers à son époque. Alors, vous êtes entre 13 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire très bas. Il se rend compte de l'insalubrité des logements, des problèmes d'accès aux soins, à l'alimentation. Et il se dit que si un jour il arrive à devenir patron, bah, il essaiera justement de changer un petit peu les choses. Donc Godin, dans son tour de France, il découvre le moulage de la fonte de fer. La fonte est beaucoup plus résistante, qui contient les chaleurs, qui la propage aussi et surtout qui va durer dans le temps. En 1817, dans un petit village à proximité de Guise. La famille est modeste. Le père est ce qu'on appelle à l'époque fumiste, mais pas dans le sens où vous entendez, bien sûr. Il travaille au métal. Et puis ce midi, nous sommes au Michette pour un repas donc cochon grillé, un repas frugal, puisque c'était très très copieux. Nous sommes 140 personnes et bah, tout se passe bien. Ils sont en train de faire des petits pas de danse.
non, c'est très 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 bien pour une reprise. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir un peu moins de monde, mais bon, les gens sont encore un peu frileux. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Nous avons 3 bus et franchement, c'est une journée nickel. Bah aujourd'hui, c'est un événement qu'on renoue avec une tradition après plus de 3 ans, dont une période de Covid. C'est le voyage de nos aînés, dont je fais partie actuellement. Et on est au Michette, un petit restaurant bien sympathique où on était venu il y a 6-7 ans, tout près de Coucy-le-Château, pas loin de Chauny. Oui, ça redémarrage et on est content d'avoir eu 3 bus quasiment pleins, c'est 140-145 personnes qui se retrouvent parce que ces moments-là, ce sont des moments de vie, de lien social, où on peut discuter avec les citoyens du Cateau. Alors, il y a ces moments-là et puis il y a le moment du colis en fin d'année. Je tiens à remercier Joël Manès, le Conseil des Sages et toute l'équipe qui ont préparé ce voyage. Ce matin, ils sont allés visiter le fameux ministère de Guise, qui mérite d'être connu et voire reconnu. Et on est arrivé vers 13h ici au Michette. Merci à vous, merci à Beffroi Vision. Et puis, allez, pensons toujours à nos aînés comme nous pensons toujours aux jeunes. La société est faite de tranches d'âge différents. Et aujourd'hui, c'est un moment de retrouvailles et de bonheur, où on échange des moments passés et on espère des moments futurs. Merci à vous. 23 jeunes fidèles ont renouvelé leurs engagements pris lors de leur baptême en participant à la messe de profession de foi qui a eu lieu dimanche dernier en l'abbatiale Saint-Martin. En voici les images.
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, alléluia, avec les gestes et tous ceux qui ne font pas les gestes. Ils ne pourront pas manger, ils seront privés de repas, d'apéro, ils seront corvés de vaisselle et de ménage, y compris dans l'église. Donc je regarde tout le monde et je demande aux photographes à prendre en photo tous ceux qui ne font pas les gestes. Merci tout en avant. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, Dieu, tu es mon roi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Vers toi, je lève les mains. Alléluia, alléluia. Cette messe a été suivie d'un repas pour les membres, par les membres de la paroisse à la salle Jules Mériot. 104 convives se sont régalés autour d'un cochon grillé, qui apparemment est le mets préféré en ce moment. Alors mesdames, bonjour. Bonjour à vous. Alors expliquez-moi ce qui se passe aujourd'hui pour la paroisse. C'est le repas annuel qui, il y a depuis 2 ans, avec ce qui s'est passé, n'avait pas eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, et malgré la Pentecôte, nous avons quand même 104 convives. Voilà. Donc un repas, cochon, crudité, l'apéro offert, le fromage et le dessert. Voilà. Et l'équipe paroissiale à fond. Tout à fait. Bon, bah, elle n'est pas grande, l'équipe paroissiale. Il y a la famille Le Saint et la famille Lafu. Mais ça suffit pour faire du bon travail. Un travail bien commandé et bien fait. Vous passez une bonne après-midi alors. Tout à fait. Voilà. Merci mesdames. Je te remercie. À bientôt. Lors de son assemblée générale, le club de basket, autrement appelé CJBB, et présidé par Sébastien Jorion, a élu son nouveau président. Sébastien Jorion, qui, après 4 ans de bons et loyaux services, a cédé sa place à un petit jeune, bien connu du club. Je vous laisse le découvrir. Donc, pour raison professionnelle, je dois... Il a fallu réfléchir, mais il fallait que je le fasse. J'ai du mal. Et ça, je le savais que j'allais bien là. Ah, un compte contrôlé. Allez. Donc, pour raison professionnelle et aussi personnelle, je vais devoir démissionner. Je démissionne du club. Alors, effectivement, nous n'avons pas eu les plus belles années, mais on a fait un bon boulot. Merci à vous tous, on a fait un bon boulot là-dessus. Nous aurions voulu faire beaucoup plus aussi, mais le club il est toujours là. La CJBB est là, le club, le basket, je galère.
Voir mes clients, ça m'arrive pas. Hein, c'est mieux. Pourtant, je les aime bien parce que eux. Vous avez fait une grosse remise. Pourtant, je les aime bien. Mais non, voilà, le sport, le basket, les gens, j'adore ça. Quoi. Et. Hein? Donc je vais décider de rester. Donc malgré tout ça, malgré les difficultés qu'on a pu avoir, j'ai passé des bons moments au club et je continuerai à passer des bons moments au club. Et voilà. Donc j'ai décidé pour tout ça, pour raisons professionnelles, comme j'ai marqué sur mon message, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. Ceux qui m'ont soutenu et pareil, je ne peux plus être présent comme avant. Ma femme a eu des problèmes de santé. Ça va mieux, hein, je vous rassure, ça va mieux. La preuve, elle est là. Faut que je passe un peu plus de temps. Alors, du temps au boulot, je lui ai dit, c'est ce qui nous ramène un peu l'argent à la maison. Donc, je vais rester beaucoup de temps encore au boulot et j'aime mon boulot. Hein, donc, également, comme j'aime le basket et la CJBB. Mais bon, il arrive un moment, il faut faire le choix que je passe un peu plus de temps avec ma femme, un peu le soir et le week-end. Et le dimanche. Et le dimanche, ouais. Donc, merci à elle en tout cas, et puis à mon fils, et puis merci à tout le monde de m'avoir soutenu dans cette tâche qui n'est pas facile. Et je pense que c'est une réussite ce qu'on a fait quand même pendant la période. Je ne le prends pas pour moi, je le prends pour, franchement, nous tous et ceux qui ne sont pas là. Je ne suis pas individuel à ce moment-là. Donc voilà, il est temps pour moi d'arrêter sur 4 ans. J'aurais voulu faire plus, mais on arrêtera là. Enfin, je serai toujours proche du terrain, parce que mon fils est là et j'adore le basket. Et donc je serai toujours là si on a besoin de moi. Donc j'ai fait appel à une candidature de président, ayant eu une seule candidature. Je pense qu'on va l'adopter aujourd'hui, parce que c'est pas toujours facile. Alors déjà... c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un, prendre le flambeau, les choses comme ça, parce que c'est, on a tous des difficultés. Ouais. Alors, Sébastien, avant de donner le nom du futur président, des bouteilles d'âte avant le Covid, tant bien que le Monsieur le maire, le conseil municipal et moi-même te remettons un petit présent pour le travail que tu as fait à la CDJ. Merci. Vous en profiterez avec moi, vous inquiétez pas. Donc voilà, ayant une seule candidature et fier d'avoir trouvé une candidature rapidement, parce que franchement, déjà là, j'ai les boules d'arrêter la présidence du club. Enfin bref, ça y est, ça va mieux. On a encore une fois trouvé quelqu'un rapidement. Il y aurait pu avoir d'autres personnes aussi, je ne veux pas. Voilà, j'aurais été aussi content, mais je suis encore plus content que. Ce soit Mathias qui reprenne le club, parce que CJBB, c'est peut-être gravé sur lui, le basket c'est gravé sur lui, ça va être le plus jeune, je pense le plus jeune président du comité du Nord, voire peut-être de la Ligue régionale, mais bon on s'en fout, on a un président, voilà, donc c'est Mathias... ce soir qui reprend la présidence du club. Merci à lui. Je pense que...
L'Assemblée Générale, je suis très content de l'Assemblée Générale parce qu'on a eu un monde de licenciés et non licenciés qui se sont rendus présents à l'Assemblée Générale. Donc ce qui est très bien, c'est là qu'on voit que le club de la CJBB se comporte bien et continue à se comporter. Et je suis tout cœur avec eux pour l'avenir, quoi. Alors, le bilan sportif est resté plus ou moins positif, hein, en jeunes où on a très très bien fonctionné, et puis en adultes également. On a perdu les quelques places en fin de saison sur des petits matchs, des choses comme ça, ça joue à rien, mais en général tout le monde s'est maintenu ou a joué les hauts tableaux, quoi. À la CJBB, on a clôturé cette année à 129 licenciés, 11 équipes. Il y a eu pas mal de personnes qui gravitent alentour. Oui, effectivement, la CJBB a toujours été reconnue comme ça, et même dans le monde du basket, notamment dans le Nord et le comité, la CJBB est remplie de bénévoles. Bien sûr, les événements qu'on a tous connus dans les mondes associatifs et autres, il y a eu un peu de casse à ce niveau-là, comme au niveau de licenciés. Mais comme je dis, l'essentiel, c'est que le club se comporte bien, et puis au niveau bénévole également. Donc après, on est toujours à la recherche de bénévoles parce que il y a énormément de choses à faire, et plus on est, plus on peut faire de choses au sein du club. Il nous faut des coachs, il nous faut des personnes, même parents, qui peuvent prendre une licence. Et si, là je parle à la place du nouveau président, mais moi, tous les bénévoles, on leur payait leur licence. Donc à la CJBB, la licence est gratuite pour les bénévoles, pour les personnes qui veulent donner un coup de main, que ce soit pour les tables de marque, pour tenir le club à housse, comme j'ai dit, au niveau de l'Assemblée générale, et puis autres, ou pour faire, voilà, pour faire plein d'autres choses quand on fait des tournois, des choses comme ça. Donc on est à la recherche de joueurs et de bénévoles. Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, un grand merci à tout le monde, bénévoles, parents, joueurs, à la ville, je le répète, et surtout, à vous, Beffroi Vision, parce que je vous ai vu tous les week-ends au Palais des Sports suivre nos matchs. Donc merci à toi, Claude, merci aux équipes Beffroi Vision, et merci également à André. Bah, comme tu l'as vu à l'Assemblée Générale, je n'ai pas eu les années les plus faciles à cause de la Covid. Donc c'est avec regret et pour raisons professionnelles et un peu personnelles que j'arrête mon mandat de président. Comme je l'ai dit, un président doit être disponible. Pour raisons professionnelles, je suis de moins en moins disponible pour le club. Donc afin de le faire perdurer là-dessus, voilà, j'ai préféré arrêter avec un gros pincement au cœur. Donc je quitte pas le club, mais je quitte la présidence. Et ce qui me réjouit, c'est que à la CJBB, on arrive à retrouver toujours un volontaire bénévole pour reprendre la présidence du club. Alors le nouveau président, je pense que beaucoup de gens le connaissent à Le Cato, hein, c'est Mathias Moreau, qui a 24 ans, qui a commencé au club il y a 20 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est connu à Le Cato, qui est connu à la CJBB, qui va pouvoir être encore proche des jeunes. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de disponibilité que moi. Donc il a toujours été présent et il a été très 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 présent avec moi au club, et il va continuer à être là encore plus. Donc je lui souhaite du courage, parce qu'il en faut, c'est pas évident, et une bonne chance à lui, et franchement j'ai confiance en lui, quoi. Il y a quelques mois, Sébastien avait annoncé qu'il arrêtait. C'est pas forcément été une idée qui m'est venue tout de suite en tête. Et plus bon, le temps passait, les gens m'en parlaient un petit peu, laissaient quelques a priori en disant que bon, je pourrais, pourquoi pas reprendre. Et bon, il y a quelques temps, j'ai officialisé ma candidature auprès de Sébastien. Bon, les prochains mois, déjà, là, préparer la saison prochaine. Donc on a un mois avant les vacances pour pouvoir préparer la prochaine saison. Et essayer de récupérer pas mal de jeunes, donc au niveau des écoles ou autres, pour relancer une dynamique. Parce qu'avant tout, bon, je pense que Au Cato, ça a toujours été un club de jeunes, donc faut continuer sur cette voie. Du coup, l'année prochaine, je n'ai plus du tout d'équipe, je ne coache plus. Donc s'il faut remplacer de temps en temps, bien sûr, je serai disponible, mais je n'ai plus d'équipe à ma charge. J'ai tout un club, ce qui est aussi pas mal.
un mot à dire? Bah non, on était là pour l'Assemblée Générale de la CJVB, où il a été retracé un petit peu le résultat de la saison. Saison qui a à moitié redémarré parce que on est encore sur une demi-saison de classement et de résultats du fait des deux années au sujet de la Covid. Et le point final de cette Assemblée Générale, c'est la passation de pouvoir entre Sébastien Jorion et Mathias Moreau. Quoi. Donc voilà, la CJBB change de président à partir d'aujourd'hui. Sébastien n'a pas eu de chance. Quoi. Sébastien a fait 4 ans de présidence, 4 ans dont 2 ans de Covid, 2 ans de masque, 2 ans de privation, de clubhouse, de masque, d'interdiction de salle. Donc voilà, ça n'a pas été 4 ans de plein bonheur sportif. Maintenant, après, pour des raisons professionnelles, et pour des raisons de santé de son épouse, il a décidé de passer la main, quoi. Maintenant, Mathias Moreau, un jeune du CRU, de la CJBB, tout jeune, petit-fils de Madame Dubois. Comment dit Monique ? Monique, donc petit-fils de personnes piliers de la CJBB. Aujourd'hui, bah, président, donc c'est un drôle de challenge, quelque chose... qu'il va falloir qu'il apprenne. La présidence n'est pas toujours facile, mais je pense qu'il en est capable. On adresse un coucou à Gérard Dubois aussi. Ah, oui, à son papy, oui. Et un gros bisou volant à Madame Dubois. Voilà. Merci beaucoup. Samedi 4 juin 2022, Pierre Servet, expert comptable retraité, nous a définitivement quittés. Nous tenions à lui rendre hommage et présenter nos condoléances à la famille. Monsieur Pierre Servet vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. Il était expert comptable à la retraite. Passionné de timbre, il a été président du club de philatélie. Il avait reçu un beffroi d'honneur, distinction de la ville, pour son bénévolat à l'association des marcheurs de multiformes en 2011. Il a été directeur de la régie de télédistribution par câble du Cateau pendant de nombreuses années. Tous les membres du conseil d'administration de la RTC, son personnel et les bénévoles de Beffroi Vision présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Musique à cool. Prochaine manifestation organisée par la municipalité, les Ch'tis Coureurs, le Cateau Expansion et les jeunes du LALP aura lieu le 18 juin. À noter dans vos agendas. En voici le détail. Beffroi Vision, donc nous sommes dans les locaux du LALP, le Cateau Grand Brésil, donc anciennement salle de restauration du Palais des Sports. Donc le but de cette rencontre avec les jeunes et puis les moins jeunes, dont Sébastien qui est à mes côtés, c'est de vous présenter la journée du 18 juin que nous allons appeler Musique à Cool plutôt que Fête de la Musique. Donc je vais laisser la parole aux divers partenaires de la ville du Cateau pour vous mettre dans l'appétit de venir ce 18 juin, nous suivre, venir suivre les jeunes, voir ce qu'ils sont capables de faire et puis en même temps de montrer qu'ils ont des idées un peu différentes par rapport aux nôtres. Et moi je les remercie à ce niveau-là parce que je trouve que c'est bien de pouvoir être accompagné par des jeunes qui ont des idées différentes par rapport à ce que nous, ville du Cateau, municipalité, avons parfois comme idée. Donc voilà, le but c'est de vous présenter, vous mettre en appétit pour venir nous voir, venir écouter ce qu'on va vous proposer et puis aussi déguster bien le cochon grillé qui sera offert et mis à disposition par nos amis des commerçants du Cateau Expansion. Voilà, je vais passer la parole à Sébastien qui va rentrer dans le vif du sujet pour cette journée qui s'appelle, et je le répète, Musique à Cool. Pour certains, ça doit rappeler de bons souvenirs. À toi Sébastien. Merci Joseph. Alors tout d'abord, avant de prendre la parole, je vais laisser la parole à Océane qui va nous dire, parce que Océane est quand même une pièce importante pour l'organisation. Alors Océane, explique-nous un petit peu.
Alors, je m'appelle Ossane et je suis la présidente du conseil municipal des jeunes de Le Cateau-Cambrésis. Et avec l'ensemble de mon équipe, nous avons décidé de voir la fête de la musique sous une autre forme. Alors, c'est pour cela qu'on a décidé de se faire entendre par la mairie et que la mairie a accepté de suivre nos idées et nous les remercions. Voilà, alors effectivement, Océane a bien résumé. Pourquoi la musique à cool et qu'est-ce qui change? En vérité, les jeunes ont voulu dépoussiérer un peu cette traditionnelle fête de la musique qui était organisée par la municipalité depuis des années. Et les jeunes ont voulu surtout en mettre en avant notre ville, qui est importante, qui est une belle ville. Et ils voulaient mettre aussi surtout en avant tous les monuments importants du Cateau, c'est-à-dire le musée, la fontaine, le beffroi, etc. Donc vous allez pouvoir découvrir ce jour-là une multitude de groupes un petit peu partout sur le Cateau. Et ça sera bien sûr dans la continuité du lâcher de canard, puisqu'il y a les ch'tis coureurs qui organisent leur lâcher de canard en même temps. Donc vous voyez, vous allez aller au petit canard, ensuite vous allez remonter la place, vous allez voir des groupes. Puis après vous allez encore monter un petit peu le Cateau et vous allez voir des groupes. Donc venez nombreux, franchement c'est très bien. Et puis en plus ça va aider des jeunes à faire quelque chose de bien pour le Cateau. Regardez Océane, elle est toute souriante, elle est tellement contente de l'organiser. Et je remercie le LALP et puis le comité municipal des jeunes qui m'ont permis de travailler avec eux pour mettre en place ce bel événement. Je vais laisser Benoît qui va vous expliquer dans les grandes lignes, bien sûr, à peu près les groupes qui vont venir amuser tout le Cateau. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais quand même me représenter parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Benoît Liot, responsable du LALP pour l'association Prime-toi sur le Cateau, et je suis chargé aussi d'animer le conseil municipal des jeunes. Donc voilà pour cette journée. Voici la belle affiche. Il faut savoir que c'est les jeunes qui ont travaillé dessus. Et on remercie d'ailleurs Marie, qui est chargée de communication à la mairie, qui a travaillé aussi avec les jeunes pour pouvoir sortir cette superbe belle affiche. Donc, alors, il y aura une scène devant la fontaine et une scène sur la place de Gaulle. Donc, après, par la suite, il y a aussi un petit concert qui sera, bien sûr, toujours avec le travail en partenariat. Donc il y aura un petit concert avec Paikan à la brasserie historique. Donc ce que les jeunes ont voulu faire, c'est surtout toucher toutes les générations sur le Cateau. Donc là, on va dire que là, devant la fontaine, ça va être un public plus ou moins jeune. Et donc ici, sur la place de Gaulle, ça sera un public un petit peu plus ancien. Donc voilà, sur la place de Gaulle, donc on a à partir de 19h, donc on a Sunday Moon, où ça va être souvent de la variété. Du gospel, de la variété, sans Charlie, 20h. Pareil, c'est un peu interactif, c'est deux petits bouts de femmes qui vont surtout mettre de l'ambiance et du chant. Donc là, par contre, Discover à 22h, là, ça sera beaucoup plus de la variété. Et voilà. Et donc ici, devant la fontaine, on a Unity Family, qui sera un petit groupe reggae, un peu ska. Après, on a Blood of the Green, qui est plus un groupe rock celtique, de 20h30 jusqu'à 22h. Lucky Devil à 22h, qui là, c'est du rockabilly. Et de 22h à 23h, donc à partir de 23h30, on a Poster Band, on a voulu faire jouer aussi un petit groupe de jeunes du terroir. Donc c'est des petits jeunes qui reprennent du rock et qui sont sur le Pomeroy. Voilà, donc après, je pense que ça va être une soirée assez riche. Et le voir autrement comme on le voit là, en espérant que ça ait du succès, quoi. Je voudrais surtout conclure parce qu'on voudrait vraiment mettre en avant deux choses importantes qui sont au niveau des jeunes et qu'on a voulu mettre l'accent. La priorité, c'est de mettre en avant notre ville, qu'on aime, puisque sinon on se débrouillerait pas pour organiser des choses. Et surtout, et je pense que c'est le plus important et on va tous être d'accord, c'est d'avoir pu réunir plusieurs associations, le LALP, le CMJ, les commerçants, la ville du Cateau, les services techniques, la maréchaussée, et j'en passe et des bien d'autres, le partenariat avec la brasserie historique. En vérité, ce qui montre quand même que l'union fait la force. Donc venez nombreux, parce que nous, on a uni nos forces, et on a besoin de vous, pour que cette musique à cool dure dans le temps, parce qu'on souhaiterait faire un jour la musique à cool 20 ans. Merci à vous. Oui, donc je vais reprendre la parole. Donc pour préciser aussi, c'est que à partir de 17h, la rue des Digues sera interdite à la circulation pour la bonne organisation du lâcher de canard qui aura lieu à 18h. Donc à 18h et non comme précédemment vers 16h. Sachant que la rue, on va pouvoir la jalonner, la rue des Digues sera jalonnée pour que justement le public qui viendra assister à ce lâcher de canard
pour l'arrivée se fera toujours à l'espace Mon Plaisir, donc avec les lots, avec le premier, deuxième et troisième, ainsi de suite. Venez nombreux, parce qu'effectivement, les lots sont de très importants, et de mémoire, je crois, mais le président n'est pas là, mais je pense que le premier lot, ça doit être une voiture. Donc c'est quand même non négligeable, et voilà, pour la ville du Cateau, c'est un plus, parce que ça va pouvoir mettre de l'ambiance, et puis faire en sorte que cette course aux canards, et deux canards, à travers la selle, mettra, comme le disait Sébastien, en avant aussi d'autres aspects de la ville, par exemple le parc Fénelon ou l'espace Mon Plaisir qui est un cadre verdoyant. Donc 18h, lâcher de canards pour en y arriver vraisemblablement, sauf si les canards se perdent en cours de route, mais je ne le pense pas, à 19h. 19h, on enchaîne sur les groupes qu'on vient de parler. Et puis, je vais laisser la parole à mon collègue aussi pour qu'il dise quelques mots, parce que je pense qu'il a participé aussi à la mise en place de cette journée. Et je pense que, comme vient de le dire Sébastien, c'est vrai que c'est vraiment l'union fait la force. L'union des commerçants, l'union des jeunes, l'union de la municipalité, l'union de la brasserie, puis tous ceux qui sont autour de moi, parce qu'on veut que ce soit une réussite et pour le Cateau, et aussi pour l'ensemble des gens qui ont contribué à ce que Musica Cool se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci. Alors voilà, c'est Baclé Rénal, du coup, animateur au L'Alpe Animus de Le Cateau pour l'association Prime-toi. Alors comme le disaient mes collègues et les associés autour, on a travaillé tous ensemble pour élaborer un peu le programme de la fête de la musique. Il faut savoir qu'avec les jeunes, on a vraiment bossé sur tout le programme, en contactant les groupes, en faisant les devis, en préparant vraiment pour tout chapeauter ce jour-là, quoi, entre guillemets. Et on va continuer de le faire ce jour-là, avec Benoît. Sébastien, malheureusement, ne sera pas là ce jour-là, il tient à s'excuser. Et puis le conseil municipal des jeunes, on va continuer de chapeauter les groupes, installer le matériel avec l'ingénieur son et les professionnels aux alentours, en espérant qu'il n'y a pas de problème ce jour-là et que tout se passe bien. Il y a tout juste 20 ans, les élèves de CM2 de l'école Paul Langevin participaient à un concours organisé par le Rotary. Le thème en était l'éducation à la citoyenneté. Ils ont donc réalisé un film que nous vous proposons de revoir. À noter que ces élèves ont été récompensés par une journée au parc Astérix. Votre petit film va passer sur Beffroi Vision régulièrement comme spot pour rappeler aux parents qu'ils l'auraient oublié ou rappeler aux enfants qui ne le savent pas encore ce qu'il faut faire pour que la ville soit propre puisqu'on aime, et c'était le thème, on aime notre ville. Alors merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli. C'est un travail qui a dû vous prendre quand même beaucoup de temps, mais vous voyez qu'il contribue à la propreté et à la beauté de votre ville. Merci aux enfants. Ça correspond tout à fait avec le programme de l'éducation civique. Et dans un pro, donc, les entreprises, il s'est établi une discussion entre les élèves pour savoir que présenter. Et tout de suite, ils se sont dirigés vers une vidéo. Alors, dans un premier temps, ils ont discuté sur les sujets qu'ils voulaient montrer, hein, les messages qu'ils voulaient faire passer non seulement aux élèves, mais à toute la population du Cateau. Puis, dans un second temps, Ils ont été acteurs. C'est avec l'aide de M. Houblin qui filmait, ils ont participé à la réalisation du film. Et dans un troisième temps, ils ont participé au montage. Et bien sûr, l'objectif de ce petit film, c'est de sensibiliser tous les enfants de l'école, mais d'étendre à toutes les, peut-être les autres écoles de la ville, et aussi de s'adresser aussi à toute la population. Parce que bon, malgré tout, on constate qu'il y a, on verra dans le film, qu'il y a une dérive de certains, bien qu'ils soient sensibilisés aux problèmes dès leur plus jeune âge. Et puis, on se rend compte que certains adultes aussi, minorités, hein, qui ne respectent pas. Alors, ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que la ville va avoir un nouveau musée et qu'il voudrait laisser une bonne image de marque aux futurs visiteurs. Alors, en ce qui concerne l'école Herbin, c'est un projet qui tombait également à pic puisqu'il rejoignait le côté éducation à la citoyenneté et puis le travail qui était fait en sciences technologies. Donc au départ, le travail qui avait été fait en électricité a débouché sur la curiosité de voir de quoi étaient faites les piles et puis de quoi étaient faites les piles. Et de là a découlé cette enquête sur le recyclage et l'utilité du recyclage des piles.
Voilà, donc les enfants ont fait un travail de recherche, un travail de collecte, hein, puisqu'ils ont récolté 42 kg de piles qui seront déposées prochainement à la déchetterie. On a demandé à nos parents de nous donner les clés usagées. Mmh. On a été voir les voisins qu'on connaissait pour donner les piles. On a fait... On a récolté 42 kilos, ça fait beaucoup. Donc on a tourné ici à l'école, dans la cour, dans la rue. Après on a été à Intermarché pour tourner des scènes. Puis c'est tout. C'était amusant. Oui, c'était amusant. Nous sommes la classe de CM2 de l'école Pont de Langevin. Nous sommes fiers d'habiter au Cateau, cité historique mais aussi ville d'art. Beaucoup de personnes viennent la visiter. Malheureusement, certains cathésiens ne respectent pas l'environnement, ce qui donne une mauvaise image de la ville. Se comporter en bon citoyen, c'est d'abord se connaître, s'entendre et jouer ensemble. La violence ne règle rien. Respecter le code de la route, c'est respecter les autres. Les adultes devraient montrer l'exemple aux enfants. Oh, encore un qui s'est garé sur le passage piéton. On va être obligé de passer sur la pelouse. Ne faites pas comme ceci. Faites plutôt comme cela. Être un bon citoyen, c'est respecter l'environnement. Ne jetons pas nos déchets dans la nature. Utilisons plutôt les poubelles qui sont à notre disposition. Utilisez la déchetterie, pas les rues de notre ville. Ni notre belle rivière. Ne laissez pas vos chiens faire leurs besoins sur le trottoir. Apprenez-leur le caniveau. Les cathésiens aiment les trottoirs propres. Cela commence par des graffitis à la craie. Cela se termine par des tags à la bombe. Nos monuments sont uniques, alors respectons-les. Le service des espaces verts embellit la cité en réalisant de magnifiques parterres. Respectons leur travail. Les bancs sont sales, remplis de graffitis dégradés.
Où pourrons-nous nous asseoir quand il n'y en aura plus? Dans les magasins, certaines personnes ne respectent pas les emplacements des produits, qu'ils ne remettent pas en place ou abandonnent dans d'autres rayons. Gagnons la confiance des commerçants en remettant en place ces produits. C'est un début de vol quand on ouvre un paquet, que l'on se sert et que l'on repose le reste dans un autre rayon. Il ne manque pas quelque chose ? Nous avons eu une idée lumineuse. Respectons tous notre belle ville! Je voudrais donner un message aux cathésiens que au lieu de jeter les piles, et c'est très mauvais pour la santé, ça fait beaucoup de pollution. Alors au lieu de jeter les piles, de les récupérer, de les mettre dans un conteneur dans les supermarchés ou de les donner à la déchetterie. Ce sera un beau geste. Alors maintenant, vous avez montré si brillamment l'exemple. Lorsque vous avez un papier acheté et que la poubelle est à 5 mètres, qu'est-ce que vous faites? On va la poubelle. Et voici nos brèves locales. Dimanche 19 juin, le cycloclub cathésien vous propose son 32e brevet cyclotouriste. Départ libre, à partir de 7h30 à la salle de Grémont située rue de la Digue. 4 parcours sont au programme, 20, 30, 50, 80 km. La participation est de 2,50€ pour les frais d'inscription, la boisson et le sandwich à l'arrivée. Renseignements au 06 95 97 89 71. Toujours le dimanche 19 juin, de 11h à 19h, la brasserie historique de l'abbaye du Cateau organise son tout premier événement autour de l'agriculture, avec une exposition avicole et la présentation d'anciens véhicules agricoles ainsi que des jeux d'estaminets. Pour agrémenter cette journée, deux concerts sont prévus. De 15h30 à 16h30 avec Big Gunset. De 17h à 19h, vous découvrirez le groupe Zach Perry and the Bottyfuel Thing. Frais de participation, 4€ par personne. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Beffroi Vision. Et surtout, pour ne rien manquer, n'hésitez pas de nous retrouver sur notre cible officielle, notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Prenez bien soin de vous, au revoir et à bientôt !